Le monde est dégueulasse. Hey, le Jones là, oui. Bah, c'est à toi que je cause. T'es au courant, le monde il est dégueulasse, quoi. Bah, oui. Et aujourd'hui, on va faire une démonstration de ça, et grâce à Monsieur K, vous allez apprendre. Oui, les Jones, regroupez-vous ensemble, puisque je vais vous apprendre à survivre contre les clans maléfiques. Oui, c'est pas rare qu'au détour d'une soirée, il vous arrive des trucs bizarres. Un truc bizarre comme par exemple un logo de titre de jeu qui serait en transparence et qui n'apparaîtrait pas correctement sur votre display. Pardon. Aujourd'hui on file dans Dayang, un FPS d'infiltration qui devrait pas tarder à sortir. Alors je peux pas vraiment vous le situer au moment où j'enregistre cette chronique puisque je n'ai pas terminé de boucler tous les plannings TBG et Dieu sait si c'est important, vous connaissez ma phrase, never reckoning with the planning. Dayong va donc nous projeter dans la peau d'une héroïne qui s'est fait kidnapper et emballer sur une île. Et pour une fois, on va pas se battre avec d'autres joueurs pour qu'il n'y en ait plus qu'un à la fin. Enfin, s'il doit en rester un, ce sera moi. Mais les autres joueurs, ce ne seront pas des joueurs humains, ça va être les joueurs du jeu. Donc, on va voir si le challenge intelligence des ennemis et infiltration va être relevé. Je vous rappelle quand même, si vous ne connaissez pas le canal, que Monsieur K et l'infiltration, c'est quand même une histoire de pas amour. De là à dire que c'est ma némésis, l'infiltration, où on n'en est plus très loin. Allez, en route, on est parti. Et on va démarrer une partoche, tout tranquille. Tais-toi le chien. Who am I kidding? The plan sucked all along. I keep thinking about how things should have gone, but... Wishful thinking ain't gonna change shit. Today... I die on this island. Ce qui s'annonce plutôt pas mal en fait, puisque c'est exactement ce que j'ai prévu de faire dans ce jeu. Tais-toi le chien. Donc voilà ce qui peut arriver quand on est une frêle jeune femme et qu'on se retrouve kidnappée, on ne sait pas où. Alors la première partie du jeu, ça va être simple, hein, ça va être le petit tuto pour apprendre les différentes possibilités de votre perso. Il va y avoir un petit peu de varap apparemment. Il va y avoir, ça je vous le montre tout de suite, du craft, et oui du craft, tout ce que j'adore, ma némésis, aïe aïe aïe. Mais enfin bon, si je veux survivre, mieux vaut que je puisse me défendre. Et pour me défendre, va falloir crafter, je n'y échapperai pas. Regardez-moi ces vilains rats méchants. You bad rats. Pour l'instant, on a que du classique. Vous les aimez, les grands silences hein, qui font monter la tension. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pensé à mapper mon clavier en faisant le setup du jeu. Ce qui aurait pu être quand même très très malheureux, me connaissant. Ouvrir, non, pas ouvrir. D'accord. Ah bah voilà qui est mieux, les amis. Donc j'ai la mallette du centre pour changer d'arme à la volée. Sachant que je peux trimballer simultanément 4 armes.
Oui, je suis très méfiant parce que j'ai mes skills d'infiltration qui sont très réduits. Donc j'ai l'intention de pas trop me faire détecter en fait pour pallier à ça. Ah, cette ombre m'a fait peur, mais c'est moi. Et donc petite partie Yamakasi. On n'aime pas trop les rats par chez nous. Ça, c'est pas très sociable, hein. Mais bon, soit. Ok. Craft, qu'est-ce que je peux fabriquer? Oh, la bonne nouvelle. Oh, la pas bonne nouvelle. Oh, la bonne. Oh, la pas bonne. Oh, la pas bonne. Ok, bah je rentre chez moi si c'est comme ça. Et je vous en. C'est Eric qui dit ça normalement. On y va. Coucou. Ambassadeur et savon. Oui, j'adore faire ce coup-là. Surtout en étant très très mal rasé. Est-ce que je l'utilise maintenant? Ma santé a pas l'air si naze que ça. Hein. On va se garder ça pour les coups de bourre, comme on dit. Une caverne d'Ali Baba. Ouh là là, tout ce qu'il y a crafté, ça s'annonce mal pour mon matricule. Moi qui adore ça, je le répète. J'adore ça. Ah non, crafter, c'est un truc que je supporte pas trop dans les jeux en fait. Ça vous éloigne tellement de l'objectif premier, qui était soit de l'action, soit de la réflexion, mais certainement pas de la gestion. Qu'est-ce qu'il dit ce menu craft? Frag, yeah! Oh oui, fabrique-moi ça, mon petit. Et ça, je peux, ça, je peux. Ah, j'ai pas d'essence, c'est dommage. Ok. Regardez ça, cette souplesse. Oui, la souplesse du midlife gamer dans le pot d'une gamine qui. Ah, peut-être prendre une arme, ce serait mieux. Ouh, le vilain bâton. Méchant. Il faudrait peut-être que je m'équipe de mon couteau, ce serait bien. Ce serait une riche idée. D'accord, donc ça, ils ont même prévu le jeu pour les boulets. Ça veut dire que si vous savez pas où se trouvent certaines choses, on peut vous les mettre en surévidence. Oui, parce que c'est par-dessus une évidence quand même là. Ih. Ih. Ah, on s'y croirait. Oui. Ah, j'ai une crampe dans le mollet. Ah, vite, faut que j'arrive. Alors, il y a un petit truc que j'ai oublié de faire, c'est m'équiper avec mon couteau, parce que c'est bien beau de le fabriquer, gars. Mais si tu t'en équipes pas, comment dirais-je, il va y avoir un problème. Ok. Voilà une bonne chose. Une clé à molette, un couteau, un bâton et une trousse à pharmacie. Que pourrait-il se passer de grave? Oui, mieux vaut avoir le couteau, c'est ce qui m'a l'air quand même le plus. Quoique la clé à molette, c'est sympa. Hein. Hop. Et donc je ne le sais pas encore, bah oui parce que je suis pas sorti de ce complexe, et j'ignore tout d'où je suis. Donc je ne sais pas que c'est une île, et je ne sais pas que cette sortie va être fermée. Non mais c'est classique, hein, quand vous en avez fait un de jeu, vous les avez tous fait. Ouh que c'est beau ça! Alors le bâton, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux quoi. Moi maintenant j'ai ça, j'ai bien l'intention de rigoler. Hop. Hop, et hop. Ah, l'ambulance vient me chercher déjà. Faut toujours qu'il y ait un truc dans un stream. Je laisse passer, hein. Ah, mais il s'est arrêté là, hein. C'est vraiment pour moi. Faut s'alerter, les gars, c'est bon. Alors, avec le pied de biche, bah, les fonctions du pied de biche, à part emplâtrer quelqu'un de pas très sympathique, les voilà.
fresques. Ah oui, c'est les jauges avec un petit compteur de temps pour vous stresser si vous êtes poursuivi par exemple. Space, the final frontier. Donc j'étais en train de vous dire, pour l'instant on ne sait pas du tout où je suis, on ne sait donc pas que c'est une île. Comment ça je spoil comme un sale? Bah, c'est marqué dans le résumé du jeu les enfants. C'est long de recharger ses affaires, dites donc. Je fais le plein de tout ce que je trouve. Et sur cette île, ben oui, c'est pas un battle royale pour une fois. Donc on va découvrir quand même qui peuple cette île. Et vous allez voir quand même que ce sont des gens assez particuliers, on va dire. Pour pas être dans la vulgarité. Parce que je peux crafter du truc. J'en profite pour me débarrasser au début. Je peux faire une torche. Pff, quelle utilité de me faire une torche, hein? 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 Je pose la question. Je peux me faire un autre couteau. Ça peut être bien ça. Ou je peux améliorer ma barre à mine. Ça c'est une excellente idée, mais il me faudrait un binding. C'est quoi binding? Du fil de fer, du câble, c'est ça? Ça doit être un truc dans le genre. On va attendre un peu plus loin, des fois avec un peu de bol, je trouverai ce qui me manque pour crafter ce qui me fait plaisir. Si, peut-être je peux crafter des cocktails de chez Molo. Molo. Oui, les cocktails Molo. Yata. Ah non, je peux même pas. Ça c'est un peu pas de chez peu pas quoi. Ok, on verra plus loin. Alors, un truc à savoir quand même sur le jeu, c'est pas un de ces jeux faits par une grosse boîte. On n'est pas dans le AAA, hein, comme on dit couramment. Je vais m'équiper déjà, ce sera une bonne nouvelle. Plop. Et donc ce jeu n'est pas fait par une énorme structure, donc on peut lui pardonner quand même ses petits défauts. Ça, c'est check. Oui, bah, plutôt que bloquer, on va se barrer, quoi, ça sera plus sympa. Oui, je suis pas trop pour le fight quand c'est purement inutile. Peut-être que je sais pas crafter, mais je sais esquiver le fight. Peut-être que je sais pas faire d'infiltration, mais je sais esquiver le fight. Monsieur? T'es là, monsieur? Monsieur? Oh, si, il s'est barré, hein, on va pas insister. Un combat d'éviter, c'est gagner de la santé. Ce sera le dicton du jour d'ailleurs. Hop là. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai les enceintes qui sont pile en face, et de l'autre côté il y a la fenêtre, et de l'autre côté il y a les gens, et j'entends les gens, et j'ai l'impression qu'ils sont dans le jeu des fois. Et j'arrive à faire la différence à la dernière minute, puisqu'ils parlent français, eux. Par contre, les voitures n'ont toujours pas. Pop, je m'égare. Est-ce qu'on peut ramasser des trucs dans la nature pour crafter, vu que le jeu est plein de craft? Avec non. Ok. Ok. Alors. Hop, doucement. Matelot, moussaillon, ramasse ce vieux slip. Et ne t'affole surtout pas. Il y a beaucoup de vieux slips par là. Regardez-moi ce bordel. Oui, je me méfie. C'est quoi ça? Bastards. Mais c'est trop cuit, les gars. Va falloir que je fasse un stream spécial culinaire, hein, parce que je pense que dans les jeux vidéo, il y a toute une culture à faire. Hein. Non, c'est moche, c'est très moche. Parce que j'ai encore des trucs à ramasser, ça passe. Eh ben non. Ok. Ça s'ouvre. Non. Mais tu peux ramasser des trucs. Ok. On va voir ce qu'on peut crafter déjà. En prévision 2. Bah, objectif, hein.
passer à travers le port. Hippie. Crafton. Full. Full. J'ai cru que j'allais me faire envoyer balader encore. Ok. Ah, oh, j'ai pas les petits câbles qui me manquent, c'est dommage. Bon, une autre fois, on peut en faire encore un. Non, même pas. Tant pis pour moi. Items. Ok, mais t'as vu que ça va être vite plein tout ce bordel. Schwips. Alors, j'ai quelqu'un à l'accueil. Super. J'ai quelqu'un par là. Et puis par là-bas, c'est tellement loin qu'on voit pas. Ok. J'ai ce truc à gauche. Et mon objectif, ce serait plutôt d'aller vers le phare par là-bas. Est-ce que je tente le truc à gauche ou je traverse là-dedans? Faut déjà que je trouve une entrée. Je vais voir si je peux pas trouver une autre entrée, quoi. On va se rapprocher. No damn way this way. Ok. Toi, t'as envie que je me frite, je crois. Ouh, je peux déraper. Ok. Oui, bah je suis crouché, justement. Et je peux me servir des plantes hautes pour me dissimuler et faire une approche tout à fait subtile, sans faire le moindre bruit. Bring, bring. Oui, maman, c'est pas le moment, ne m'appelle pas. Oui, c'est ça. En général, quand on veut faire une approche discrète, on a tout le temps un truc qui merdouille. Vous avez remarqué? C'est la théorie de l'emmerdement maximal. J'ai aucune arme de G. Oui, J-E-T. Et du coup, ça m'aurait bien arrangé sur ce coup-là, parce qu'il y avait un headshot assez magnifique à faire, vous en conviendrez. Bien. Viens! Viens, je te dis! Et ça, c'est à moi. Quoi? Je suis full! Tant pis, il a donné l'alerte? Non! Est-ce que je dois me requinquer? Je regarde mon icône de santé. Putain, je me crouche. Et non. Est-ce que mon sens de la détection m'aide? Un petit peu, mais pas tant. Alors, comment je vais faire pour me balader dans ce bordel, sachant que j'ai aucune carte en plus? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Évite le pépère. Alors, on va se faire ça, tranquille. Oui, vous avez vu si j'hésite. Halt. Il y a l'air d'y avoir moins de monde ici, ça a l'air plus sympa. Avec ça. Oh, frag you, Durki. You're not sympatoche. Ok, on va faire ça. Il y a du monde là-dedans. Hop, hop, hop. On est un petit peu agité du bulbe, les gars. Avec ta base. Tac, tac, tac. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop, 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 couche. Voilà, reste crouché. Je suis full. Ça veut dire qu'il faut que je craft. Pourquoi je parle doucement? Il faut faire quelque chose. Oh purée, il y a du monde. Comme j'aime pas. Alors c'est à partir de maintenant que vous allez voir les talents de Monsieur K dans l'infiltration, ça va être magique. Quelqu'un là. Quelqu'un qui vient droit sur moi. Ok, je vais tenter de rentrer dans cette baraque.
J'ai pas trouvé de clé et je crois pas qu'il y ait d'issue pour me faciliter la life. Tu bouges gros? Gros. Ta base Octave. Ferme ta porte. Discretos. Pourquoi je chuchote? Arrêtez de demander, vous savez très bien. Le E. Je te veux. Ah, ça valait mieux. Oh putain, il m'a pas vu, c'est bon ça. Alors un arc avec des flèches, c'est 10 fois mieux en fait, il paraît. Ça c'est une légende. Hein. Hop là. Il y a pas une clé qui traîne? Une clé. Une clé pour Bibi? Nine. Ok. Petite analyse d'où il est notre ami. Alors, il y en a un par là. Ok. Fais ce qui se rapproche. Oh bah je te lève là mon ami. Je vais attendre qu'il passe gentiment. Fait bon, hein? Ouais, fait bon. Tu y vas là? Ou je. Comment dire? Super. Go. Go. On y va. Faites-moi confiance. Ça va super bien se passer. Regardez comme je maîtrise. Pourquoi je pars tout doucement? Parce que je maîtrise justement, bordel! De faire du bruit et de me parler, vous me déconcentrez. Oh putain. Je crois que c'est le moment de jouer de l'arc. Comment ça, vous avez reconnu l'air de la carioca? Non, non, pas du tout. Je vais me faire un petit headshot des familles pour commencer. Ah, ça fait du bien ça. Est-ce que t'es avec un pote toi? No friends? Bizarre. Bizarre. Hop, 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 hop. Bouge pas toi. Petits oiseaux. Ça c'est bien ça. Il y a une clé? Il y a pas une clé? Qu'est-ce que c'est? Baisse-toi. Non mais baisse-toi. C'est le contraire de se lever. Ferme ta porte. Tout dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette note que j'ai récupérée? Oui, je m'enferme pour plus de sécurité. Car je sais que je suis un danger pour tous ces gens. Doc. Donc apparemment, j'ai affaire à des tipiaques qui viennent sur cette île dans l'unique but purement scientifique de piller. Oui, le pillage, ça peut être scientifique. Tialt. Est-ce qu'il y a du monde? Non. Ok. Là, faut pas que je bouge pour utiliser la perception. Ok, d'accord. Est-ce que je lui ai piqué son carquois de flèche d'ailleurs? Non, même pas, mais je suis une nouille. Il en a encore. J'en veux encore. Je veux deux arcs. Et je veux le RPG. Il n'y a pas un RPG? Ok. Je confonds de jeu. C'est sûrement ça. Hop, 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 hop. Toi, est-ce que t'as du matos un peu? Ça pue, ça. Un bâton. On s'en fout. Hop, 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 hop. J'aimerais bien grimper là-haut, tiens. Ça m'a pas trop l'air possible apparemment. Vas-y, fais voir ton skill. Ça m'a pas l'air trop possible. Pas que apparemment. Comment ça, vous entendez la mélodie de Stranger in the Night? C'est dans votre tête uniquement, dans votre tête. Hop là. Que je peux crafter des bricoles là.
Ah oui, moi, quand on me donne du craft, je m'en sers. Full. Ok, it's full. Quand ça veut pas. Hein. Il faut que je trouve du carburant. Ok, la Glock. Qu'est-ce que j'ai de beau là-bas en face? Là-bas en face. On ne sait pas trop. Oh! Oui, je suis venu pour faire un carnage. Alors, je suis relativement serein. Parce qu'en général. Je l'ai dit en préambule hein, du stream. Les gens qui me connaissent savent très bien que je suis mauvais en infiltration. En général, c'est un endroit où il faut passer et pas déclencher les alarmes. Si c'est un multi, les collègues m'envoient en premier pour rigoler. Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Plus d'items, je suis full. Alors c'est pénible cet inventaire qui est rapidement full avec toutes ces cases vides qui sont inutilisées d'ailleurs, c'est bizarre. Accessoires, oui, 10. Ouais. Faut absolument que je crafte quelque chose. Hein. Je peux ça? Non, je peux pas. Je peux ça? Je peux même pas. La vie est pourrie? Oui. Aujourd'hui elle est pourrie, particulièrement pourrie. Parce que je suis full et je ne peux pas crafter. Bah, va falloir y aller les cocos. Hein. Donc 10 flèches. Sachant que je vais en mettre une sur deux à côté. Donc ça m'en fait 5. Je suis optimiste, je sais, oui. Et il faut que j'arrive au bout là-bas. Oh purée, c'est pas gagné, je sens. Salut. Il y a des gens là-haut. Alors c'est marrant qu'il m'ait pas repéré lui. C'est marrant qu'il m'ait pas repéré lui non plus. Et je lui ferai bien un petit carton dans la tête justement au passage. On va faire ça bien. Hop, 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 hop. Ne fais pas des frayeurs. Où vais-je être le mieux placé pour lui cartonner sa tronche? Là, c'est pas mal. Salut. Oh, il a rien vu. C'est dégueulasse. Oh, gros. Damn! C'est réglé. J'espère qu'il n'a pas eu le temps d'appeler des collègues. Ça pourrait me faire des soucis. Alors j'ai de l'essence en bas, mais il faut que je descende. Et je sais absolument pas ce qu'il y a en bas. Ah oui, c'est de l'essence. Hein. C'est pas autre chose. Faut que je me fasse ce Kleps. Il va me foutre il va me foutre le Bronx. Hop, c'est réglé le clébard. Il va falloir que je trouve des flèches de toute urgence. 1, 2, 3. Un petit coup de cocktail Molotov dans la gueule, ça leur fera du bien, je pense. Ça, c'est check. L'autre, il bronche pas trop affolé à côté, il va même voir ses potes. Et les gars, vous avez le feu? Oh putain. Sur l'IA, quand même, c'est pas. Lui, je vais le finir comme ça, je crois. Monsieur. Damn! Merde. Merde, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout, les gars. Je vous dis. Oh, putain, je me sens un petit peu. Je me sens un petit peu. Un petit peu, quoi. Pourvu qu'ils arrivent pas à escalader les conteneurs. Sinon, là, ça va être la plus mauvaise nouvelle de la journée que j'aurai. Je vais en profiter pour faire ça. Tiens, je suis un Yamakasi. Ah putain, je suis pas un Yamakasi, je suis un blaireau. Ah. Je crois que je vais me les rallumer au cocktail. Ils le valent bien. Je suis totally exposed. Ça va super pas bien se passer dans 3, 2, 1. Faut que je trouve un coin calme pour me repair. Ah, on est pas bien là? Alors j'ai affolé tout le monde. On peut dire que mon infiltration est totalement pas réussie. Il y a un lascar là-haut, ok. Il y a un lascar derrière ça, ok. Il y a un clébard derrière ça. Est-ce que ça va s'ouvrir? Vous le saurez au prochain épisode. Bon, faut que j'aille dans ce truc. Vu que j'ai tué tout le monde, ça devrait pas être trop compliqué. De prime abord. Toi, je te ferais bien headshot, mais à cette distance, tu vas rien sentir. C'est mon grand désespoir. Ça se tente, mais... Allez-moi ce bordel.
Alors, le mec il se marre là-haut. Descends, descends si t'oses. Petit cafard. J'ai tout repassé. Je vais être blindé en flèche, je vais me faire plaisir. Monsieur là-haut, j'espère que les clés sont pas dans ces grandes tours à la con et qu'il fallait se faire la première à l'entrée, sinon ça va me gonfler allègrement. Mais vous me direz, j'aurais flingué au moins tout le monde avant de poursuivre mon carnage un peu plus loin. Hop, 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 hop. Chien plus mec, pas bon. Est-ce que je me tente la tour comme un couillon? Ça se tente, hein, moi je dis. Je vais tenter la montée en discrétion comme ça. En me disant, personne me calcule. Et ça a marché. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je vois pas trop l'intérêt de foutre l'alarme, mais si ça peut énerver du monde, ça m'arrange. Qu'est-ce qui se passe? Oh purée, j'ai foutu une émeute en bas. Ça c'est bon ça. Tu mets l'alarme, tu cherches pas, tu cours comme si t'avais le diable à tes fesses. Feu. Ah purée, tu commences déjà à courir pas dans le bon coin, mais c'est pas possible d'être aussi nigo que ça quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Non, je trace, j'en ai rien à foutre de vous, vous êtes tous morts, vous ne le savez pas, c'est tout. Yatta. Yatta, ouvre. Ouh, 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 ouh. T'es mort et c'est chouette. T'es mort et c'est chouette. T'es mort et c'est chouette. Non, t'es pas mort. Mais comment j'ai fait? Où est le chien? Putain, le chien. Ils sont costauds les chiens dans votre coin, dit dedans. J'en étais là, moi. Fou, j'ai eu le cul bordé de nouilles dans cette phase d'affolement total. On va pas se le cacher, quand même. Je voudrais bien... Yes. Les gars, vous avez pas du matos à me filer? Des flèches. Des flèches, par exemple. J'aime bien les flèches. Vous avez pas les flèches? Les flèches? Y'en a pas? Toi, rien. Toi, t'as... Mais t'as un arc? C'est un arc? T'as des flèches? T'as des flèches, t'as un arc, t'as un arc, t'as des flèches. Change, change, non, a rose, got a rose, give me a rose, want a rose, more rose, because I need, no, I'm not a followed, bordel. Oh la 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 la. How could I do my duty? Salut chien, t'es baisé, t'es derrière le portail de toute manière, tu sais pas ouvrir un portail et puis, je te spoil tout de suite. Regarde-moi bien. T'as besoin d'une clé. Vous êtes prêts à me voir mourir? Eh ben ça va être maintenant. Une petite coupure pub et on y va. Les assurances Turlutu pour votre décès dans un jeu vidéo vous propose la formule tout compris. Petit pas, petit pas. On va essayer la technique petit pas. Non, je vais prendre un truc qui tape quand même. Non. Oui. Mais c'est un bâton, hein, c'est minable. Non, je vais prendre ça, c'est mieux. Ça doit mieux cogner. Alors, c'est dommage que, vu qu'on est supposé faire de l'infiltration, on puisse pas faire les fameux passages. Tu arrives par derrière et plaf. Plaf, pastèque. Oh, mamma mia, ils sont plus nombreux que prévu. Ça passera jamais, les amis. Si. Allez, on tente. Alors on va pas tourner autour du pot, j'aimerais bien arrêter le stream avant Noël. Yo! Allez, venez mes cailles, venez mes petites cailles.
On vient voir papa. On vient voir papa. Oh, celui-là, il l'a senti. Moi aussi. Ah, t'as dû le sentir, celui-là, mon pote. Eh bien, les amis, je suis heureux de vous dire que on peut ne pas mourir jeune. Ah, des vieux aussi crèvent pareil. Yes, I accept. Donc c'était le petit aperçu sur ce Dai Young, qui ma foi plutôt bien foutu pour une réalisation d'un petit studio, et qui m'a pas mal teasé. Je pense que je vais vous en restreamer un petit morceau d'ici pas très longtemps. Je vous laisse avec les playlists habituelles. Allez, banco. Et donc, playlist habituelle, eh ben ça nous fait la généraliste, celle des shmups, et le bouton d'abonnement, bien entendu, vous n'y échapperez jamais. A tout bientôt les amanches, ciao. Et n'oubliez pas de vivre vite avant de mourir quand même.